Good morgen, allez, Ida, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Fajib Ben Khana, Janine Rude, Batfort, Mazet Petaklo, Jolom Babin Shalom, Ishaya Ben Linda, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions ma Sechet PA, Perekret Mishnah Dalet, Nehemanim al Ayerek Chai, Ve'en Nehemanim al Hamevushal, Ela Imken Ayalot Var Muat, Sheken Derech Balabait Liyot Motsi, Mi Lefaso, ou Me Ilfaso. Soit, on est encore dans le sujet. Je rappelle quelques 2-3 mishnayot en arrière à peu près. En général, un amaretz, quelqu'un qui est pas, qui pratique pas les mitzvot avec précision, minutie, d'accord, les gens simples qui n'étudient pas de Torah, eh ben ils ont un problème de, ils ne sont pas crus sur la kashroute des fruits et légumes. Et ce qu'ils ont fait, ils ont prélevé la tourmente au masra, c'est-à-dire que vous allez au marché, vous allez acheter. On peut acheter que d'un chaver, ce qu'on appelle un chaver, c'est un membre, un frère, un membre de la high société des bons juifs. Mais sinon, si on achète d'un étranger, alors on peut acheter, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut nécessairement reprélever des tourments ou masrot. On aura sur ça Bezrat Hashem très bientôt. La prochaine Mishnah, à la prochaine Maseret, ce sera Dmaï. On commencera à étudier ce sujet longuement. Quelle est la raison et tout ça. Pour notre propos, il faut savoir donc que même s'il va vous dire « oui, j'ai prélevé », vous ne pouvez pas le croire, vous devez reprélever chez vous. Ça, c'est un. Deuxièmement, toutes les matnot anim, ce que les pauvres vont glaner et ramasser dans les champs ou recevoir en maserani, ce ne sont pas des fruits qui sont imposés de trumot ou masot. D'où maintenant la question qu'on développe depuis quelques mishnayot en arrière, c'est lorsqu'un pauvre, qui va te dire, tu sais, ce fruit, j'ai prélevé de Trumot Masrot, tu ne le crois pas. Mais s'il va te dire, non, ce fruit, c'est pas un fruit de Trumot Masrot. C'est un fruit que je suis parti ramasser dans le champ de lui, parce que c'est du Leket, Shicha, Pea, et toutes les maintenant Tanim. Alors, est-ce qu'il est cru ou il n'est pas cru? On avait vu dans le Toutes les Mishnah qu'il est cru. Mais à condition que ce soit quelque chose de, à l'état brut, tel quel. Ça veut dire, si on donne des pommes de Maaser, alors, de Maaser Ani, donc il va te donner une pomme à manger, dire ouais, ça c'est du Maaser Ani, tu le prends. Mais si il va te faire, il va te sortir un plat qui a déjà été cuisiné, tu ne vois plus dans la forme initiale, alors il est plus cru. D'accord? Et ça c'était les Mishayot, avec à présent un nouveau sujet. Ne'eman ala yerekraï, ve ne'emanim ala mibushal, c'est justement Bidouk ce cas-là, qui est cru sur un fruit, un légume qui est vivant, cru quoi. Par contre, il n'est pas cru sur ce qui a été cuisiné, parce qu'une fois que c'était cuisiné, il va savoir si c'est vraiment c'est ça ou c'est autre chose. Et là, il y a dvar muat, sauf si c'était quelque chose, une petite quantité. Pourquoi? Car tel est l'usage d'un homme, d'une personne, de sortir une petite quantité de sa casserole. On explique un peu mieux, parce que là, c'est un peu flou, mais en fait, c'est très simple. Le pauvre, lui, il n'est cru que sur ce qu'il a ramené directement tel quel de chez la personne qui lui a donné. En général, on donne des fruits ou des légumes crus au pauvre. Maintenant, si quand tu arrives chez le pauvre, il te fait sortir, il te sort une petite assiette, il te dit, tiens, un goût de cette confiture des drogues, parce que c'est le voisin qui m'a dit que c'était, il a donné le macerni, il m'a donné la confiture. Ah, c'est une petite quantité, c'est cuit, mais c'est pas le pauvre qui l'a fait cuire chez lui. Il l'a reçu tel quel. Il a reçu quelque chose tel quel qui est logique que le reçoive cuisiné. Alors dans ce cas-là, il est cru dessus. Si il te sort, lui, une confiture d'étrogue qui te dit « Ouais, l'autre il m'a donné du étrogue cru et puis moi je l'ai fait cuire », c'est fini, tu le crois pas. Parce qu'il n'est pas crédible. Le pauvre, sur le tomate masrot, on ne lui a pas donné la possibilité de ce que tu vas commencer à le croire sur ça et pas sur ça. C'est sûr que tu vas finir par te tromper. Mais à l'état brut, tel qu'il a reçu par les gens qui l'ont donné, on lui donne. Donc du coup, une petite quantité de légumes cuits, alors c'est possible que c'est fréquent, mais le voisin, il a rapporté même ses courgettes du champ, il les a cuisinées, puis ils ont prélevé les maasé, les tomates massantes, après la cuisson. Il ne fallait pas le faire, mais ils sont tombés, en tout cas, c'est pas grave. Ça arrive, et donc du coup, il pourra lui donner une petite quantité, il lui donnera, mais il sera cru, le pauvre, sur le fait que ça a été donné en guise de maintenant d'année. Et il sera cru que c'est donc effectivement que c'est pas imposé de tomber au masque. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Vous savez.